une petite vidéo pour vous faire à la fois mon make-up du jour qui de toute façon va être rapide puisque c'est un make-up que j'ai déjà fait. C'est simplement, je vais vous montrer, un trait d'eyeliner et du rouge à lèvres rouge. L'eyeliner c'est le toujours le liner pinceau tac tac de bourgeois. Le liquid eyeliner aussi de LF que je continue à utiliser un peu pour certains détails. En mascara, je porte le Minéral Mascara de LF, celui-ci, et je suis contente, alors j'ai passé une commande, c'était peut-être la semaine dernière, chez LF, et puis ils m'ont dit que ça devait arriver que dans 10 jours, puis en fait c'est arrivé plus tôt. J'ai l'impression que c'est un peu le cas de tout le monde en fait, ils avaient prévenu un peu tout le monde que ça mettrait des plombes à arriver, puis finalement non, donc c'est plutôt une bonne surprise, donc j'ai un peu hâte de recevoir tout ça. Et donc sur les lèvres, j'ai le Revlon Matte, le Really Red. Hop, voilà, celui-là. Voilà, donc c'est un maquillage assez simple, j'avais pas trop le temps ce matin. Et puis en fait, j'ai reçu ma commande Lush que j'ai passée, je sais plus quand je l'ai passée, je l'ai peut-être passée il y a une ou deux semaines, un truc comme ça, une semaine et demie on va dire. Donc j'avais pas commandé grand chose pour moi, enfin pas grand chose. Quand même, mais il y avait des trucs pour mon mec que j'ai réussi à convertir complètement. Donc lui il s'était pris un savon qui est le suivant, c'est le Rockstar, je vous montre, voilà comme ça, et qui a l'air de sentir hyper bon. Je sais pas, je sais plus à quoi il est par contre, hein. Mais je sais pas, en tout cas ça sent ma foi très très bon. Moi je m'étais pris aussi le Glorious Mud qui est un sorte de masque pour le corps, comme ça. J'ai essayé de l'utiliser un petit peu ce matin parce que bon en fait forcément quand j'ai reçu tout ça j'ai forcément voulu tout tester. Mais bon je pouvais pas tout tester. Donc j'ai testé ce truc là qui a l'air pas mal mais j'ai peut-être pas exactement compris la façon de l'utiliser. Donc pour le moment je le laisse de côté. Et j'ai aussi utilisé un savon que je m'étais pris pour moi qui est le Godmother. Qui est hop comme ça, je sais pas comment il s'appelle en français, mais bref il sent hyper bon, enfin c'est dingue, ça sent le chewing gum en fait, mais c'est vraiment c'est génial quoi, c'est trop bien, la couleur est super jolie en plus, rose comme ça. Lui s'était commandé aussi un shampoing qui est le Trichomania, celui là et qui a l'air de sentir hyper bon. J'ose pas sortir, j'ai pas envie de lui déballer ces trucs, parce que sinon il va m'engueuler. Mais ça a l'air super bien. Donc je sais pas, il me dira son impression. Puis je m'étais recommandé aussi le Honey Wash the Kids, qui doit être miel et les abeilles en français, qui sent toujours aussi bon au miel, donc, et qui est merveilleux. Donc voilà, ça c'était vraiment... on s'est recommandé chacun un... Comment ça s'appelle? Un King of Skin, là c'était les pains hydratants. Je vous avais déjà montré, ben là il est emballé, mais ça sert à rien, je vais pas vous montrer, il est emballé, je l'ouvrirai pas. Mais c'est un pain après qu'on passe en fait sur la peau et ça laisse une peau toute douce, enfin qui est vraiment géniale. Et donc lui est tombé un peu amoureux de ce produit là aussi. Donc on s'en est pris un chacun, histoire de pas se bagarrer. Donc voilà. Et puis en fait je fais aussi cette vidéo principalement pour Hélène Wecréa. J'espère que je dis pas mal ton pseudo, j'espère pas, enfin n'hésite pas à me reprendre si c'est le cas, qui a fait une vidéo, je crois que c'était hier, donc en tout cas récemment, parce qu'elle cherchait un cadeau Lush pour sa belle-mère. Et donc moi je lui ai conseillé de prendre un coffret, en fait ils en font beaucoup à la période de Noël, puis même le reste du temps ils en font tout le temps. Et en fait parce que moi justement j'en ai pris un pour ma mère qui s'appelle le Shower Me With Lush et qui est un assortiment de plein de produits. Donc je l'ai reçu, hein, donc je peux pas vous montrer ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. Mais par contre en fait je tenais à faire cette vidéo pour que tu vois comment c'est fait. Et c'est, enfin moi je m'attendais pas à ce que ce soit vraiment aussi gros que ça. Hop. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'essaye de... C'est quand même super gros, on a des petites anses comme ça pour le porter. Enfin je trouve ça vraiment chouette, on dirait une espèce de boîte à chapeau super haute. Enfin voilà, et donc du coup on a le petit carton là. Et dedans, hop,
On a un détail de ce qu'il y a. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir. Il y a deux gels douche. Un King of Skin, donc un pain hydratant. Un savon Karma. Il y a aussi donc le Glorious Mud que je vous ai montré là, qui est un, donc eux ils disent un body scrub. Donc voilà, c'est un exfoliant. Il y a aussi un shampoing. Il y a une émotibombe pour la douche. Un autre gel douche. Un autre exfoliant. Et puis un autre, enfin un savon, ouais, le Sea Vegetable. Donc voilà, ça fait quand même bah, du coup en tout une dizaine de produits. Voilà, j'ai dû le payer. Je sais pas, est-ce que j'ai gardé le truc avec moi? Non, j'ai pas la... Je sais pas, ça doit être autour des 40-50 livres, un truc comme ça. Et donc honnêtement, voilà, la boîte est super classe. Et ce que je trouve vraiment bien fait, c'est que... Là, je me suis mis partout. C'est que du coup, on peut vraiment donner un aperçu à la personne à qui on l'offre. Moi, je sais que ma mère a été assez sensible à Lush quand je lui ai montré les produits, que je lui ai fait sentir, que je lui ai fait un peu tester. Elle a trouvé ça vraiment super. Donc du coup, là, c'est vraiment l'occasion de, bah, de lui faire découvrir une gamme assez complète, à la fois de pain hydratant, de savon solide, de gel douche, de shampoing. Enfin voilà, comme ça, elle va faire un petit peu son petit business, elle va tester, elle va voir si ça lui plaît. Et puis je trouve que la forme est vraiment sympa, quoi. L'idée d'avoir un petit, une petite boîte comme ça, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, si ça peut t'aider dans ton choix, après je sais qu'il y en a pas mal hein, des boîtes comme ça, donc après à voir ce qui lui plaît le plus, je pense que ton chéri pourra t'aider là-dessus, à savoir si justement elle est plutôt douche ou bain ou un truc comme ça. Mais je pense qu'une boîte comme ça, c'est l'idéal plutôt que tu te prennes la tête à essayer de choisir un produit de chaque, surtout qu'en plus je pense que ça doit être plus intéressant de choper ça en boîte que un par un. Je pense qu'il doit y avoir une remise quelque part quand même à un moment donné. Donc voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui les filles, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Salut !